à savoir la prise de la ville par les Espagnols et l'entra en résistance et donna espoir aux Kabyles. Après la libération de la ville, la Lagouraya alla s'établir au sommet de la montagne qui domine la ville. Elle se dressa une khalwa et se livra aux pratiques de la vie hermétique. Les Bougiotes virent en elle une sainte aimée de Dieu et ne cessèrent de la solliciter. Thank you.
Imagureya ou la Lagureya est une montagne qui surplombe la ville de Bidjer, en Algérie, à 660 mètres d'altitude. Il serait également le lieu de sépulture de la sainte patronne de la ville. Imagureya Selon la tradition, Imagureya était la sœur de Imam Zritan, sainte patronne de Djidjl, de Imma Timzirt, sainte patronne de Timzirt, et de Imma Kouda, sainte patronne de Makouda. À son sommet qui culmine à 660 mètres d'altitude et constitue une vigée sur la région, se trouve un fort, construit par les Espagnols, puis réaménagé par les Français sur l'emplacement de Marabout de Imagureya, que fut détruit en 1933. Dès son enfance, la Lagureya reçut une grande initiation à la religion musulmane. Il s'aperçut très vite qu'elle avait le don de la prophétie et qu'elle pouvait conjurer les périls. En 1510, elle fut témoin de la période historique la plus douloureuse et la plus destructrice pour Bidjer. À sa mort, la Lagureya a été inhumée dans une kouba, mausolée, qui deviendra un lieu de ziyara, pèlerinage, pour toute la population de la Kabylie. Et au-delà, c'est ainsi que depuis le XVIe siècle, Imagureya est devenue la gardienne de la ville. Le mausolée de Imagureya sera détruit par l'armée française en 1833. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que les autorités coloniales autorisèrent la population à accéder de nouveau au sommet et la ziyara put reprendre jusqu'à nos jours. Fait partie du parc national de Gouraya. C'est une zone protégée, très prisée par les touristes. Elle accueille environ 1 200 000 visiteurs par an, surtout en période estivale.